Avec l'accroissement de la population, la question des ressources alimentaires devient préoccupante. À Paris, dans le laboratoire de chimie analytique d'AgroParisTech, on s'intéresse à la gastronomie. Mais pas n'importe laquelle. Ici, on fait c'est un laboratoire de gastronomie moléculaire. Donc l'idée, c'est pas de faire la cuisine, vous voyez, on n'a pas de casserole là. Je suis là pour faire de la physico-chimie. La gastronomie moléculaire, c'est de la physico-chimie. Donc je suis là pour essayer de comprendre les mécanismes des phénomènes. La science cherche les mécanismes des phénomènes. Vous mettez une goutte d'encre dans l'eau. Au bout d'un moment, l'encre se disperse. Bon. Ce mécanisme, il est vrai avec de l'encre, il serait vrai avec du sirop de menthe, il serait vrai avec un médicament, un principe actif de médicament, il est vrai avec n'importe quoi. Ces lois sont universelles. Mais ces lois universelles peuvent aussi avoir un intérêt très pratique. On a cet œuf. Hein. Enfin, si je le mets pas au frigo, en gros, ben voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça sèche et voilà ce que c'est. Là, on a fait du gaspillage. Or, en 2050, il y aura 10 milliards d'êtres humains sur la Terre, sans doute. Bon. Donc, on ne peut pas continuer à garder des œufs comme ça. Il se trouve que le blanc d'œuf, c'est de l'eau et des protéines, et le jaune d'œuf, c'est des protéines, des lipides et de l'eau. Ben, ça devient évident de faire comme pour le sucre. Le sucre, je n'ai pas de la betterave à la maison. Il y a quelqu'un qui, dans une usine, m'a extrait du sucre, et j'ai une poudre qui se conserve à l'infini. Donc il y a une question de se dire, mais oui, mais l'œuf, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas l'eau à la ferme comme pour la betterave? Et alors on peut, et on obtient des choses comme ça. C'est du blanc d'œuf, on a enlevé l'eau, on a une poudre blanche, ça se conserve parfaitement. Il n'y a pas besoin de frigo, ce qui est quand même un avantage incroyable, parce que le froid n'est sans doute pas durable, hein, et ça consomme beaucoup d'énergie, il y a des fluides frigorigènes qui détruisent la couche d'ozone. Mais on peut aussi arriver à un système où ça se stocke comme mon sucre, c'est-à-dire dans ma cuisine, j'ai le sucre, j'ai les protéines et je vire les œufs. Mais si je vire les œufs, je vire aussi les tomates parce que, regardez, tiens, voyez, j'ai laissé une tomate, elle s'est abîmée, je ne peux plus la manger, elle l'est achetée. Eh bien, extrayons de la tomate les composants qui ne sont pas de l'eau et à ce moment-là, on aura des huiles, des sucres, du sel, oui du sel, du glucose, et puis des tas de produits avec lesquels il va s'agir maintenant de faire de la cuisine. Et bien demain, la cuisine du monde entier, ce sera cette cuisine de synthèse que j'ai appelée cuisine note à note, et qui se développe dans le monde entier. Comme en musique, elle consiste à synthétiser. Oui, mais après, comment ça marche ? Ce qui compte, c'est la fonctionnalité des objets, c'est pas tellement leur origine. Je pourrais prendre des protéines de blanc d'œuf, je vais vous prendre des protéines végétales. Je crois beaucoup au végétal, parce que le végétal, il est renouvelable. Si je mets de l'eau, j'obtiens comme un blanc d'œuf. Des protéines et de l'eau, c'est comme un blanc d'œuf. Ce que je sais, c'est que si je fouette un blanc d'œuf, ça se met à mousser. Mais quand ça mousse, ça peut aussi s'émulsionner. Une émulsion, ça veut dire mettre des gouttelettes de gras dans l'eau. Mon fouet va diviser les gouttelettes d'huile en deux et 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 en deux. Donc comme une mayonnaise. Alors allons voir le microscope. Alors vous voyez, ici, ces formes rondes, c'est des bulles d'air. Mais ces petites formes rondes-là, ça c'est des gouttelettes d'huile. L'ensemble, vous voyez qu'elles sont tassées les unes contre les autres. Alors, vous voyez, donc ici, on a notre système foisonné, émulsionné, voilà. Il n'a aucun goût, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui n'a pas de goût, des protéines qui n'ont pas de goût et de l'huile qui n'a pas de goût. De la gastronomie sans goût, c'est un peu triste. Alors, je vais rajouter du glucose, parce que j'aime beaucoup ça. On va mettre du saccharose, ça s'appelle le sucre de table. Puisqu'on fait un dessert, on va mettre du saccharose, voilà, du saccharose. Voilà. On va mettre une pincée de sel, parce que ça va faire ressortir des goûts. De la couleur, bon, de la couleur. Bon, je vais vous mettre du vert, parce que j'aime bien le vert, c'est la couleur de l'espérance. Alors le goût, c'est important de dire que c'est de la couleur, de la consistance, de la saveur, de l'odeur, donc il va falloir mettre de l'odeur. Tiens, on va mettre de l'odeur. Ça, c'est de l'huile dans laquelle on a dissous une toute petite quantité d'un composé qui s'appelle le benzaldéhyde. Je mets quelques gouttes. Ça va sentir entre la cerise et l'amande. Et les vitamines ? Je vais vous mettre des vitamines. J'ai ici du bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est la provitamina. Et puis maintenant, il va falloir le cuire. Hein. Du coup, j'en mets un peu là-dedans. Voilà. Alors, ça ne va pas durer longtemps.
Ça ne va pas durer longtemps parce que les micro-ondes, c'est de l'énergie qui va chauffer l'eau. Or, un petit gramme d'eau, ça fait un litre de vapeur. Donc ça va gonfler. Voilà, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça va déborder. Je l'arrête, il fait 100 degrés. Voilà. Ben, j'avais raison de ne pas l'avoir rempli jusqu'au bout. J'y vais. Ah, vous voyez, il a pris. Hein. Mais est-ce que c'est bon? Il y a de la longueur en bouche, ce qui est bien. Ça manque un peu de sel. Derrière cette expérience se trouve peut-être une solution au problème de 10 milliards d'êtres humains qui doivent manger en 2050. C'est la fin de la fin. C'est une façon rationnelle et quand même assez enfin, délicieuse. Hein. C'est d'abord bon, hein, c'est le problème. Hein, c'est pas... il y a une façon rationnelle de cuisiner différemment. Ça, c'est une application de la gastronomiculaire. Mais qu'est-ce que la gastronomie moléculaire a à voir avec la gastronomie tout court? C'est ce que nous allons voir auprès d'un chef. Le note à note comme moléculaire, d'ailleurs, c'est pas bien sûr mon credo dans notre travail quotidien. Mais moi, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer Hervétis il y a 20 ans. Depuis toutes ces années, j'ai eu accès à des techniques, à des informations qui m'ont permis d'avoir un regard un peu différent sur mon métier. Transformer un aliment, c'est de la chimie. Et c'est aussi un terrain d'exploration. Je ne suis qu'un cuisinier, je sais qu'avec ces molécules, on peut faire des choses joyeuses, marrantes, drôles. Et finalement, un repas, c'est aussi la notion du plaisir, la passer un bon moment. Et c'est aussi cet aspect évidemment important pour la sauvegarde d'une planète bien écornée, hein, aujourd'hui. Et la cuisine note à note se développe. Partout dans le monde, elle fait des émules. Tous ces plats ont entre 10 et 90% de note à note. Mais regardez comme c'est beau. Voilà, c'est... Un étudiant de l'école de chimie a créé une start-up pour des produits pour la cuisine note à note. Ce sont des flacons, comme un orgue du parfumeur, hein, qui ont des odeurs toutes absolument merveilleuses. Évocation, fève, tonka, vanille, herbacée. Et c'est ça que les chefs vont avoir. Ça ne coûte pas des fortunes et donc ils vont pouvoir cuisiner différemment. Et voilà une application qui me ravit parce que ce gars, il va gagner de l'argent, il va embaucher des gens pour aller faire de la formation pour les chefs, il va embaucher des gens pour faire la préparation. Sa société, elle va se développer et donc je suis ravi. J'ai contribué à la richesse nationale, c'est ma mission. Hein. Enfin, quoi que ma mission soit plutôt de faire des découvertes, mais ça c'est une autre paire de manches. Stop.